On revient en douceur sur Radio Campus et on passe à notre première invitée. Nous recevons maintenant Michael Brice, ancien étudiant de la faculté de lettres de l'UB, qui sera présent jeudi 8 février à la conférence organisée par l'association des étudiants PLS, philosophie, lettres et SLIC, et qui concernera son roman À la lueur de demain, roman qui retrace le parcours de quatre protagonistes dans notre société actuelle. Bonjour Michael Brice. Bonjour Radio Dijon Campus, comment allez-vous? Eh bah, bien très bien, et vous? Ça va, merci. Alors on le disait, votre roman est paru l'année dernière aux éditions Edilivre. Première question, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Alors j'ai toujours eu cette passion littéraire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait à la fac de lettres la filière LLCE italien. Donc j'étais dans les langues, dans la littérature, les choses artistiques, et donc c'était dans un mouvement naturel que j'ai écrit. Et comment vous le présenteriez, votre livre? On va dire que c'est un livre qui traite de quatre personnages, donc quatre amis, plus précisément entre 20 et 30 ans, qui vivent des mésaventures qui les amènent à se poser une question, donc jusqu'à quel point peut-on choisir son destin? Voilà, c'est quelque chose, on va dire, écrit d'une manière très jeune, mais qui fait réfléchir sur des questions, on va dire, existentielles. Alors le roman commence comme ça, il partait loin, à 618 km pour être précis. Anthony laissait derrière lui ses parents, ses amis et sa Bourgogne natale. Alors est-ce qu'on peut y voir ici une forme de récit autobiographique? Oui, totalement. On va dire 70% du roman, c'est ma vie, donc je l'assume totalement. Et votre livre soulève la problématique du destin. Pourquoi avoir décidé d'y attacher autant d'importance? Je pense que c'est une problématique assez importante, surtout de nos jours où le futur, on va dire, pour les jeunes est de plus en plus incertain. Donc, surtout pour cette génération dont je fais partie, la génération Y, voire même la prochaine Z. On est dedans aussi. Et je trouve que voilà, qu'elle est assez, on peut la retordre dans plusieurs mésaventures, on va dire. Et Alors, les critiques sur votre livre sont plutôt élogieuses. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que votre livre a reçu un accueil plutôt hyper accueillant? Ça fait plaisir et ça encourage justement pour une éventuelle suite. En faisant quelques recherches pour cette interview, j'ai constaté que vous aviez décidé de reverser l'intégralité de vos droits d'auteur à l'association Valentin Ahuy, association qui œuvre pour les personnes malvoyantes ou atteintes de handicap visuel. Pourquoi ce choix? Est-ce une cause à laquelle vous êtes particulièrement sensible? Exactement, donc pour deux raisons. Donc la première, c'est que je fais aussi dans mes activités de l'aide à la personne. D'accord. Et j'ai vu que grâce à l'association Valentin Ahuy, les personnes, on va dire, déficientes visuellement peuvent avoir un appui grâce à certains objets comme des montres parlantes, des stations de météo parlantes. Et c'est pourquoi je voyais du concret dans cette association, c'est pourquoi j'ai voulu faire partie de cette association, et j'écris dans mon livre en fait qu'on vit dans une société, on va dire, très très individualiste. L'écrire est une bonne chose, mais y remédier, je pense, que est une meilleure. Donc c'est pour ça que j'ai voulu affilier les deux. C'est totalement louable. Est-ce que vous êtes sur la préparation d'un second livre? Exactement. Depuis un moment, avant même que je sache que je sois accepté pour le premier, je n'arrivais pas à quitter mes personnages et je commençais, on va dire, à écrire le deuxième. Il est à un stade bien avancé, mais voilà, il faut encore un peu de temps pour le finir. Et est-ce qu'on peut avoir quelques petites infos peut-être de ce qu'on pourra y trouver? Alors, le deuxième traitera, on va dire, plus de la thématique mémoire, héritage et rupture. Voilà. D'accord. Dans le premier, c'était plus dans l'optique voyage, parcours initiatique, exil. Dans le deuxième, je serai plus dans la thématique mémoire, héritage et rupture. D'accord. Alors, justement, revenons-en à ce premier livre. Ils sont abordés dans ce livre des problématiques actuelles comme l'euthanasie, l'impact plutôt négatif que peut avoir la technologie sur nos vies. Est-ce que c'est des problématiques qui vous inquiètent? Oui, justement, j'écris sur ce que je vois, ce que j'analyse de notre époque. Et c'est vrai que je fais réfléchir dans ce livre. Je veux pas apporter de réponse, car je veux surtout inviter à réfléchir à cette thématique, comme justement l'euthanasie, ou ensuite, c'est vrai que la loi l'interdit. Mais je pense qu'il faut parfois réfléchir à certaines circonstances et aussi l'influence sur la technologie par rapport aux personnes. Donc j'en fais en rapport avec le personnage de Juliette notamment. Et voilà, je voulais faire réfléchir par rapport à ça, parce que là, c'est plus la prochaine génération qui m'interpelle par rapport à ce thème-là, qui devient de plus en plus dépendante à cette technologie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2018, Michael?
Bien, déjà le prix de l'auteur sans piston, si je peux le gagner peut-être dans un mois, ce serait pas mal. Oui, ben on vous le souhaite. C'est gentil. Après, on verra. J'ai encore beaucoup d'autres projets en tête. Et que je réussisse à mes projets, tout simplement. Et ben, merci beaucoup, Michael Brice, d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.